C'est bon. Du matériel, hein? Ok. Non, je vais. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Voilà. Bonsoir, monsieur. Qui commence? Oui, quel est le sens que vous donnez à cette visite à Madame Oumba? J'ai pris l'habitude depuis de longues années de lui rendre visite. Et je ne suis pas étranger à cette maison. Vous savez, en Afrique, chaque début d'année est l'occasion pour les plus jeunes de faire le pas vers les aînés, pour leur présenter de vive voix et bien les vœux de nouvel an. Depuis, pour des raisons évidentes, nous avons passé 2 mois au dialogue politique. Je n'ai pas eu donc le temps matériel de venir saluer et présenter mes vœux. Ce dialogue politique également a ouvert la voie de la décrispation, la bonne ambiance. Il faut donc renforcer cela dans la confiance naissante par des actes concrets. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous a instruit d'être des ministres d'humilité. Je fais cette démarche ce soir pour venir donc saluer celle qui est tout de même une figure de proue, n'est-ce pas, dans notre politique ivoirienne, vous présenter donc nos vœux, mais aussi profiter pour faire un tour d'horizon sur l'ensemble des problèmes du pays. J'ai recueilli beaucoup de suggestions parce que moi, je suis à l'écoute et je vous ai dit que la réconciliation, dès les premiers jours, ce n'est pas l'affaire du seul président de la République, encore moins du ministre que je suis. C'est d'abord l'affaire de tout Ivoirien, tous les Ivoiriens. On ne peut pas réussir cette réconciliation sans écouter tout le monde, sans associer tout le monde, sans prendre en compte les avis de tous. Donc, au regard des projets à venir, il était aussi important que je vienne solliciter l'avis de cette dame, et tout le monde sait ce qu'elle représente sur le chiquier politique ivoirien. Donc, je peux vous dire que, comme un fils, je viens saluer sa maman, ils se sont bien déroulés. Je ne pas, comme tout à fois que je suis venu ici, très satisfait, heureux, et ça se lit sur mon visage. Madame la Présidente, est-ce qu'on pourrait avoir quelques lignes des propositions que vous avez formulées au ministre de la Réconciliation? Alors, je voudrais d'abord profiter de votre micro pour remercier le ministre qui m'a fait l'honneur de venir me saluer ici chez moi. Ce n'est pas la première fois qu'il vient et je l'ai toujours reçu avec beaucoup de joie parce que lui aussi il est toujours venu me voir avec cette humilité de fils. Et c'est donc pour moi un grand honneur de le recevoir une fois de plus. Comme il a dit, hein, il est venu me présenter ses vœux pour la nouvelle année. Et en retour, je lui ai également présenté mes vœux, vœux de paix, vœux de succès. Hein. Il est en charge d'un dossier qui nous intéresse tous. Et donc, que le Seigneur lui donne beaucoup de sagesse et beaucoup d'humilité. Et je crois que ça, il le sait déjà, mais quand même, on peut lui souhaiter beaucoup de sagesse et beaucoup d'humilité pour réussir la mission qui lui a été confiée. Il est venu me voir, il m'a demandé des conseils à son aîné que je suis, sur ces questions de réconciliation et de paix. Et nous en avons parlé, je lui ai fait quelques propositions à mon tour. Hein. Vous savez,
je suis très 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 préoccupé par les problèmes de, par exemple, de guider. Donc, nous en avons parlé. Nous en avons parlé et j'ai trouvé en lui de très bonnes dispositions pour régler ce problème-là. Voilà. Nous avons parlé également de réconciliation parce que je l'avais déjà dit, je le redis encore aujourd'hui, un projet de réconciliation est un projet qui doit être conduit par le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit avoir en charge, n'est-ce pas, l'organisation et la réussite de la réconciliation. Maintenant, quand le gouvernement s'engage, il se doit également d'associer de toute la nation. Voilà. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il est venu faire, en tout cas aujourd'hui. Je l'ai félicité pour cela. Et j'ai dit que je suis également à sa disposition. Parce que la réconciliation, c'est ce qui nous intéresse tous. Et que nous devons réussir. C'est une action qui est incontournable si nous voulons réunifier définitivement et solidement notre nation. Et je pense que là, très très bien. Un petit commentaire sur le dialogue politique. J'ai fait ce matin un point de presse sur le dialogue politique. Le dialogue s'est tenu. Mon premier regret, c'est qu'il n'a pas pu être ouvert à tout le monde, à tous ceux qui se disaient intéressés, qui ont exprimé cet intérêt. Ça, c'était la première chose. Mais il y a des choses qui ont été faites et qui sont très positives. Je pense que soit vous l'avez déjà, soit vous l'aurez, parce que j'ai fait un document que je vous ai présenté ce matin et que je vous demande de regarder, sinon ça va être trop long là maintenant. Le dialogue s'est tenu. Le dialogue s'est tenu, il y a des choses qui sont bonnes dedans. Il y a des choses qui doivent se continuer, il y a des choses qui doivent s'améliorer. Eh bien, vous regarderez les propositions. Merci. Merci beaucoup. Merci.